Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo rétro football. Et dans cette vidéo, on va pas tester un jeu FIFA, on va pas tester PES, on va tester un jeu de foot d'une autre équipe de développeurs, d'un autre éditeur, une autre vision du football. Et aujourd'hui, le jeu qui va passer entre mes mains, c'est This is Football 2005. C'est un abonné qui m'a suggéré ce jeu. On va voir dans 10 minutes si cet abonné m'aime bien ou me déteste. La vidéo est sponsorisée par Instant Gaming, vous en avez l'habitude, vous avez deux liens sur Instant Gaming, en tout cas dans mon partenariat avec eux. Le premier lien, c'est un lien d'affiliation, vous cliquez dessus et vous faites vos achats sur le site Instant Gaming. Vous pouvez acheter plein de choses, quelle que soit la console, quelle que soit la plateforme, des jeux, des abonnements, des cartes PSN, des Xbox Game Pass, plein de choses, et je touche une commission sur vos prochains achats et ça m'aide beaucoup pour le développement de cette chaîne. Le deuxième lien, c'est un concours, vous cliquez dessus, vous choisissez ce que vous voulez sur le site Instant Gaming et à la fin de chaque mois, et je dis bien chaque mois, il y a un tirage au sort et si ça tombe sur vous, bah du coup vous avez gagné ce que vous avez choisi. Allez, c'est parti pour ce This is Football. Dans mes souvenirs, j'ai quelque chose. Je me rappelle de cette jaquette, de ce nom. Ce jeu m'évoque clairement quelque chose. Mais j'avais pas les moyens, j'étais trop petit pour acheter autre chose que PES. J'avais PES qui me comblait largement. Un petit FIFA gravé à côté et ça suffisait. J'avais pas besoin d'acheter d'autres jeux. Bon, au niveau des musiques libres de droit, je pense que je suis tranquille avec ce genre de jeu. Ouais, petit doute quand même. Pas mal en tout cas, j'aime bien. J'aime bien, c'est pas mal. Ça va plus abuser le plongeon. C'est pas mal. Graphiquement en tout cas, c'est plutôt joli. Hein. J'aime bien le nom du jeu aussi, This is Football, tout simplement, sobrement. Et je trouve ça plutôt joli. Ah bah regardez, la pelouse de ce menu principal est plus jolie que celle d'eFootball. Quelle drôle de langue que l'allemand. Ah bah y a pas... Ah voilà, Frankenstein. Frankenstein. On va mettre en Frankenstein. Incroyable, incroyable idée. Pascal Olmeta, du Carlos Moser, du Rudy Voller sur le banc carrément. Il avait même pas sa place Rudy Voller à l'époque, pour vous dire. Ah y a du Jean-Michel Larquet... remplaçant. Incroyable, je n'ai jamais vu ça dans un jeu de foot, des équipes comme ça rétro. On est dans une vidéo rétro football et on joue un jeu rétro et dans laquelle on peut prendre des équipes rétro elles-mêmes, tu vois, c'est on est dans une Matrix là, dans Inception. Incroyable idée, franchement. Maintenant je pense que c'est on peut pas refaire ça sur les jeux actuels parce que pour des histoires de droit en fait. Ah ouais, les commentaires en allemand par contre. Putain, la modélisation elle est propre. Et même les maillots, ils sont. C'est pas les vrais maillots, mais ils ont fait un effort. Alors on va voir si le gameplay il passe. En tout cas, au niveau des graphismes, c'est joli pour l'époque. C'est très joli même. Enfin, très joli. Ça va. C'est pas mal. La pelouse, elle est bien faite. Alors, comment on accélère? Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, j'ai fait une simulation. J'ai appuyé sur R2 et ça fait une simulation R2. C'est... Ouais, simulation un peu grossière, là, de Jean-Pierre Papin. Il avait le 8, Papin? Ça m'étonnerait qu'il ait le 8. Dites-moi dans la partie commentaire si Papin avait le 8. Ça m'étonne. Allez Marcel, alors comment on accélère du coup? Ah, c'est peut-être R1, ouais. Ouais, je crois que c'est R1, tout à fait. Ah non, c'est Boksic, voilà, c'est Boksic qui avait le 8, bien sûr. Oh, Alen Boksic, attention. Oh, la frappe! Oh, j'y ai cru. Oh, j'ai cru cette frappe de Boksic. Ah, elle est déviée. On n'aurait pas dit. Allez, le corner, il est pas mal tiré, avec Di Pelé. Ouh, elle est au-dessus. Et celle-là aussi, je l'ai vue dedans. Mais, attends, c'est bizarre. À chaque fois, c'est le gardien qui l'arrête, mais on n'a pas l'impression. On ressent pas le contact du ballon. Ça, c'est pas très bien fait, par contre. C'est dommage.
Oh, bien joué, quel tacle, quel timing. Allez, la dèche. Oh, dommage. Oh, Deschamps, il a tout emporté. Hey, le petit liseré bleu-blanc-rouge, là. Ça, c'est bien, c'est un petit détail, mais... Tu vois, ils ont pas pu modéliser, sûrement pour des histoires de droit, les maillots de l'époque, mais ils ont fait un effort. Même en ayant des maillots fake, tu peux faire des efforts, tu vois. Franck Sauzé. Qui avait une frappe monumentale, hein, Franck Sauzé. Oh, bien joué, quel tacle. L'animation du joueur qui se prend un tacle, elle est marrante. Elle est légèrement excessive. Là, il n'a pas touché Barthez, on est d'accord. Ah bon. Sympa la vue de derrière sur les 6 mètres. Ça manque dans les jeux de foot actuels, ça. J'aime bien. C'est vachement immersif, je trouve. Allez, c'est la mi-temps et je regrette presque de ne pas avoir mis 6 minutes. Tellement c'était sympathique. Oula, j'ai donné la balle à l'adversaire là. Oh, bien joué, quel tacle. Ça, c'est encore des chances. Y'a pas faute, y'a pas faute. Franck Sauzé. Et on va essayer de mettre une mine avec lui. Oh, Papin, oh, Papin. Ouf. Ah non, c'est Papin. Oui, c'est Papin. Ouf. Oh là là, c'est dur de cadrer. Attends, le gardien, il a pas touché là quand même. Me dis pas qu'il y a corner là. Non, voilà, oui, quand même. C'est très très dur de cadrer. Je suis vraiment surpris. Le jeu est très très sympa. J'ai limite envie de faire un deuxième match. Limite. Allez, jouez JPP, JPP. Jouez cette passe en retrait. Oh, Papin! Oh, la barre! Au but! Oh là 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 là, Buksic qui a bien suivi! C'est Alain Buksic qui a bien suivi, magnifique! Oh, Dimeco avec sa queue de cheval! Putain, mais c'est bien fait, hein. C'est bien modélisé! Hein. Ils ont... Et les spectateurs et tout, c'est trop bien fait! Je suis choqué! Oh là là, la mine de Papin, c'est dommage, elle méritait meilleur sort! Et derrière, Buksic qui marque, Kurkovic, il a mis 100 ans à se relever! Il est peut-être en train de continuer de se relever à l'heure où je vous parle! Ouh, l'arbitre qui a gêné le Stéphanois. Ouais, superbe jaillissement. Par contre, la relance, elle est pas bonne. Allez, Didier Deschamps. Ouais, non, Didier Deschamps. Oh, bien joué, cette récupération de balle de Didier Deschamps. Non, mais t'enflamme pas, Didier Deschamps. N'essaie pas de faire des choses que tu sais pas faire. Voilà, ça, tu sais faire. Jocelyn Angloma, bien joué, ça. Regarde Didier. Voilà. Boxic. Oh, bien joué, ça passe. Eh ouais, y a faute. Il y a faute de Repellini. Est-ce qu'on l'attend direct? Franchement, non. JPP. Ah, j'aimerais bien marquer avec JPP. J'ai jamais marqué avec un JPP dans un jeu de foot. Pff, oh, il y a fait une petite faute là, non? On l'a pas du tout vu du match, hein, Platoche. Allez, le centre de Deschamps. Oh, le centre au 100 millième poteau. Oh oui! Oh dommage! C'était bien joué cet enchaînement! Bien joué ça! Ah, les tacles ils sont jouissifs! Ah, c'est la fin du match! J'ai envie d'en faire un deuxième! J'ai presque envie d'en faire un deuxième! Il est très très sympa le jeu! En tout cas, on a gagné! Est-ce qu'on peut rejouer, tiens? Nine? Spiel ne started! Ya! Ah, je suis pas sûr que ça soit rejoué ça! Ah oui, c'est ça. Allez, on va rejouer. La revanche. Franck Sauzé. Mais il est vraiment cool ce jeu. Boxic. Allez, Jocelyn. Allez. Le centre de Jocelyn. Oh, c'est long. C'est très très long. Patoche. Patoche. Papin. Bien joué de Saï. Dimeco.
kurzes Zuspiel. Papin. Non, Papin, il a tenté un tout droit, ça n'a pas marché. Christian Lopez. Oh, attention. Oh, attention, les Stéphanois voilà, qui évoluent bien. Oh, bien joué, bonne défense. Oh là là, attention. Ouh là là, le but. Dominique Rocheteau. Qui s'est pas pris un carton jaune de toute sa carrière. C'est quand même incroyable comme stat. C'est tout ce qu'on retiendra de sa carrière. Non, je rigole. Il a fait une très belle carrière. Et c'est difficile de défendre. Hein. Ouh là là. Ah, le centre, il est bon. La tête, oh la barre. Ah ouais, ils ont de toute autre intention là, les Stéphanois. Waddle. Pourquoi je dis Waddle? Chris Waddle. Ah non, il est pas bon ce ballon là, Waddle. Il est pas dans son match. Boxic. Oh, ah dommage, c'était pas lui. Abedi Pelé. Ouh, Abedi Pelé. Oh là là, c'est juste au-dessus de la barre. C'est ça, c'est un truc qui me choque sur ce jeu, c'est que c'est très dur de cadrer et j'adore ça. Tu tires souvent, bah, en fait, j'ai l'impression que tous mes tirs c'est au-dessus. Tu tires très souvent et en plus voilà, je tire avec des pointures hein, Papin et tout. Si j'avais pris une équipe de D2 indienne, je pense que là c'est encore plus dur de cadrer. Oh, bien joué ce tacle. Quel sang-froid. De Boli. Et ouais, mais malheureusement, Repellini qui aggrave la marque. Très bel enchaînement là, les Barthez qui peut rien. Ah, Franck Sauzet, c'est pas son fort d'être sur le côté. Hein. Je sais pas ce qu'il fait là. Eh non, oh là là, les Stéphanois qui n'ont rien à voir avec le match aller. Allez. Oh non, Abedi Pelé. Ouh. On aurait dit un tacle à la Dimeco là. Alors, en parlant de Dimeco, il vient de perdre le ballon. Allez. Oh, bien joué ce ballon en profondeur pour Abedi Pelé dans la surface de réparation. Abedi Pelé, Abedi Pelé, Abedi Pelé. Oh, c'est au-dessus. Quel enchaînement d'Abedi Pelé. Magnifique là. Petit crochet. Il se met sur son bon pied. Oh là 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 là. Le corps, il est trop en arrière. Il reste un quart d'heure à jouer dans cette confrontation improbable. Oh, bien joué. Allez Papin, allez Papin, allez Papin, ça passe. Ouh là 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 là, il était pas loin de passer et de se retrouver seul face à Kurkovic. Bien joué. Chris Waddle, qu'on n'a pas du tout vu hein, dans cette double confrontation. Allez. Allez, Franck Sauzet. Mais pourquoi il joue sur un côté, Franck Sauzet? Oh oui! Oh là là! Oh non! Oh, quelle défense stéphanoise! Oh là là, il avait tout fait là. Il avait tout fait, Boxic. Bah, y a personne! Papin! Papin! Oh là, c'est contré! Encore une fois, quelle défense héroïque des Stéphanois! Et malheureusement, Marseille qui perd 2-0 et qui donc est éliminé de cette coupe des vétérans. Oh, la modélisation des spectateurs, elle est incroyable! Je suis hyper surpris par ce jeu rétro. C'est un des meilleurs jeux rétro que j'ai fait. Eh ben, je suis très surpris. Comme je viens de le dire, c'est vraiment mon coup de cœur rétro de cette série rétro. Pourtant, j'ai testé plus de 50 jeux rétro. Et celui-là,
Il est incroyable et cette idée de rejouer avec des équipes rétro, c'est une idée incroyable. Et même au-delà de ça, les graphismes sont bons, le gameplay il est sympa. Je trouve que la physique de balle est un peu décevante, mais sinon, il est excellent ce jeu. Donc merci à l'abonné qui m'a suggéré de jouer pardon, à ce jeu, This is Football. Je suis très content et j'ai pris beaucoup de plaisir. J'espère que vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour d'autres vidéos rétro football. Et je vous dis à très bientôt. Salut.